le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Les hommes sans culture. Tu ne te sers pas? On fait la grève de la faim maintenant? Elle n'est pas interdite. C'est vrai, elle n'est pas interdite. Mais il faut qu'elle soit justifiée. À quoi servent tous ces échanges? Chérie, tu devrais manger tes beignets chauds. Comment manger avec des gens à côté de moi qui me stressent? Mais tu n'as qu'à ignorer leur présence. Soyez moins lâche. Si vous avez à me dire, dites-le moi. Tu es folle. Qui t'a parlé? Qui t'a aussi parlé? Tu m'as parlé. Sinon, tu le fais en me regardant. Yvonne, ne me commence pas tes trucs-là. Sinon, je vais te rendre noire, bien noire. Et tu iras chercher ton grand frère pour qu'il vienne me cravater, comme tu l'as fait avec celui que tu prétends être ton mari. Regardez-moi ça. Et tu estimes l'aimer et le respecter. Va chier. C'est l'argument des sans-arguments. Tout le monde peut le dire. Tu nous as appris que pour qu'une famille soit équilibrée, il faudrait que chaque membre de cette famille soit épanoui. N'est-ce pas, papa? Si. Maman Yvonne n'est pas épanouie. Et ça me met vraiment mal à l'aise. Ma foi dernière, c'était maman Mirabelle. Les enfants, vous avez fait une bonne observation. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes unanime là-dessus. Bravo. Papa, en toute sincérité, pourquoi cette alternance de moments de gloire entre nos deux mères? Voilà les enfants, il y a certaines choses que si l'on ne vous explique, vous ne comprendrez pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est de rester unis tel que vous êtes. Car le moment viendra, vous comprendrez. Il n'y a qu'avec l'âge qu'on comprend certaines choses de la vie. Vous me suivez? Oui, papa. Aimez vos parents, mais souciez-vous d'abord de votre propre vie. Celle de vos parents dépend d'un passé avant votre naissance. Vous ne pouvez, par exemple, déterrer un mort pour soigner la blessure qu'il portait avant de mourir. Quand vous réagissez comme ça, ça me plaît. Parce que ce qui compte, c'est cette sérénité. Aimez vos parents. Mais quoi? Soucions-nous de notre vie. Voilà. Maintenant, on peut passer à table. Bon appétit, papa. Merci, ma fille.
Mélia, tu as l'air fiévreuse. Et ça me choque de savoir que ta maman n'est pas à la maison. C'est vrai, elle est sortie depuis ce matin. Mais comment l'as-tu su? J'ai appelé ta maman au téléphone. Et elle m'a fait comprendre qu'elle n'est pas à la maison. Maman, quand? Tu es arrivée. Madame. Je suis là. Et je constate qu'il est bientôt midi. La cuisine n'est pas encore faite. Déjà un, ce n'est pas mon jour de cuisiner. En plus, Mathias ne mange plus mon repas. Tu veux que je fasse quoi? Ok. Contente-toi de te cramponner dans ton orgueil et de déclarer haut et fort, Mathias ne mange plus ma nourriture. Je te demande de prendre ton petit orgueil. Tu le jettes très loin. Tu deviens une femme dévouée, soumise. Tu flattes ton mari. Tu verras qui va reprendre à manger ta nourriture. Tu parles même de quel orgueil? Yvonne, moi, ma Kamté, je te connais très bien. Tu es très orgueilleuse. Suis mon conseil. En prenant ton orgueil, en le mettant très loin de toi, tu deviens une femme dévouée, soumise, surtout flatteuse. Tu vas voir que ton mari va recommencer à manger ta nourriture. Tu vois nos maris là, hein? Nos hommes là, ce sont nos bébés. Si déjà tu considères ton mari comme ton bébé, tu le flattes, tu le cajoles, le tour est joué. Hé, hey, toi la maman Kamté, tu es une bonne politicienne. Ah, laisse ça, laisse la politique là où elle est et suis plutôt mon conseil. Ouais, mon bébé, Asia, ça va aller. Si j'ai tenu à ce que nous ayons cette discussion, c'est parce que je voudrais que nous fassions la lumière sur quelques points de notre vie. Je ne sais pas si c'est la théorie de Platon qui se justifie dans notre couple. Elle qui stipule tout de même que les âmes à la création sont liées deux à deux. Mais pendant le voyage sur la terre, elles peuvent arriver à se séparer. Peut-être que toi et moi, nous n'étions pas des âmes sœurs au départ. Et par accident, nous nous sommes liés par imprudence. Toi-même remarque, 5 jours sur 7, ce sont les problèmes. J'ai toujours un espoir que un jour on finira par s'entendre, mais hélas. En outre, tu as trouvé mieux de saisir le tribunal pour le divorce. Je n'en disconviens pas. Mais pour ma part, un mauvais arrangement aurait été mieux qu'un bon procès. Mais puisque tu as initié la procédure, qu'elle suive son cours. Moi, je préfère la voie judiciaire, puisque c'est la loi qui régit les hommes. D'autant plus dans notre cas où les biens communs sont concernés. J'espère que tu as terminé parce que je vais dormir très tôt ce soir. Mais où est-ce que tu vas alors que nous n'avons pas fini de discuter? Qu'y a-t-il encore entre toi et moi? Tu n'as plus le droit de me contraindre à quoi que ce soit. Mais je te rappelle que nous restons légalement mariés jusqu'à la prononciation du divorce. Tout ce que tu racontes là, ça n'engage que toi. Gombo, ma chérie, comment as-tu passé la nuit? Je n'ai pas reçu le moindre coup de fil de ta part. Qu'est-ce qui se passe, mon bébé? Rien d'important ni d'inutile ne se passe. Tout est neutre, alors?
Toi là. Tu es souriant alors que je suis triste. Qu'est-ce qui peut bien t'attrister, mon bébé? Je t'aime, tu sais très bien. Je suis là pour te soutenir. J'étais à l'hôpital. Le texte. Futur papa, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Ngombok, tu es formidable. Tu es spécial, ma chérie. Le véritable calice de mon sang. Ma chérie, tu viens comme ça d'inscrire une nouvelle page de ma vie. Je voudrais même dire, c'est le point zéro de ma vie. Mon bébé, s'il te plaît, viens dans mes bras. Chérie, on va fêter ça. Mmh, hein? Ouais. Merci, merci Seigneur. Tu es assez lente. Maman, tu es pressée. Tu sors encore? Bien sûr, on m'attend urgentement quelque part. Maman, avec tes sorties à répétition à la maison, là, si papa était un homme compliqué, il t'aurait déjà fait des problèmes. Tu es détective privé? Non, maman. Et pourquoi tu me poses autant de questions? Arrête ça! Il y a des gens qui te cherchent à la maison et tu... Je t'ai demandé d'arrêter ça! Mais maman... Encore un mot et je te mets dehors pour désobéissance à sa mère. Et si tu continues de bouder, tu laisses mes cheveux, moi-même je vais les peigner. Cousine Mirabel. Oui, cousine. Comment tu vas? Très bien. Ça va? Oui, bien, tonton. Tu te fais rare pour être chère. Tu as raison, c'est trop d'occupations. C'est votre cuisine interne. Je suis passé parce que je m'inquiétais du fait que tu ne sois pas au courant du mariage de Tsefa. C'est vrai. Ce soir, je viens chez toi et puis j'irai chez lui en même temps. On va arranger. Okay. C'est un petit problème. Ça, c'est mais... bien. Okay. Mais cousin Tsefak, oui? Tu es tellement souriant. On dirait que tu as gagné le PMU. Mélia, tu es encore convalescente? Laisse-la là-bas, c'est une rêveuse. Elle veut m'apprendre le savoir-vivre. Comment ça, elle veut t'apprendre le savoir-vivre? Elle veut se prendre pour la maman et moi, la fille. Non, pas aussi. Mélia, ça va, hein? Ok, ça va aller, d'accord? Ok, tu passes à la maison du Ali. Oui, ce soir, sans faute. Ok, bonne journée. Merci. Je vais égorger ma tante en plein jour si elle ne renonce pas à ses papiers de bien. Le charlatan de ma tante doit être très puissant. Diamant Kouné. Quand je vais lui enfoncer un couteau dans la gorge, je vais voir comment elle va résister à cette arme-là. Je n'ai jamais vu une femme têtue comme ma tante là. C'est une petite têtutesse. Il suffit juste d'une visite à 20h30. Pour finir avec elle. Mais avant ça, retournons voir encore notre type là. Tatinga. Oui. Une idée me vient en tête. Ma campagne doit être protégée par les prières du pasteur. Je m'en fiche de ces prières. Et les pasteurs qu'on assassine de gauche à droite là, ils ne prient pas. Ça dépend de leur relation avec Dieu. Je préfère ma part avec Satan. D'accord? T'es un charmant, hein? C'est pas haut.
Nous ne nous connaissons pas. Il est hors de question pour moi que je te fasse des problèmes. Si tu avais été une amie qui me dédoublait, ça se comprendrait. Mais ce n'est pas le cas. Et je m'en veux beaucoup. Tu m'as dit que tu as faqueté ton mec. Est-ce que... Ce n'était qu'une farce. Il n'y a jamais rien eu entre lui et moi. J'aurais pourtant voulu, mais ce ne fut pas possible. Quelle était ton intention lorsque tu m'as déclaré une telle chose? Décourager mes concurrentes. Gagner le terrain. Mais ce n'était qu'une méthode de lâche. Je vais devoir te quitter. Tout en espérant un pardon sincère de ta part. Je te pardonne. Et je te souhaite une agréable matinée. Quelle est cette figure qui vient de s'en aller là? Ma tante. Hey! C'est la fille dont je t'ai parlé de la brutalité l'autre soir là. Hey, oui! Et qu'est-ce qu'elle est venue chercher? Ma tante. Elle est venue me demander pardon quant à son acte ignoble de ce soir là. En dehors de ça, rien d'autre ne pouvait nous lier. Si j'insiste, c'est parce que les filles sont tellement mesquines ici dehors. C'est vrai. Surtout celle-là. Mathias! Mathias! Moukam! C'est toi qui débarques chez moi à l'emporte-pièce? Tu es là pour ta sœur ou pour moi? Je suis là pour toi, Mathias. Il savait qu'après mon passage l'autre jour ici, tu as encore continué à faire des menaces à ma sœur. Je tiens à te rappeler, Mathias. Kivonne est l'unique fille des 7 enfants de mon père et de ma mère. Il l'a traitée comme une ordure est illégale. Tu m'as demandé de la ramener, certes. Je me suis dit que c'est une plaisanterie. Je me rends donc compte que c'est sérieux. Si tel est le cas, tu connais la procédure. Car je ne quitterai pas la région sans que sa situation n'ait connu une suite. Moukam. Rectificatif, Mathias. Monsieur Moukam. Bien. Malgré le respect que je te dois, cela ne te donne pas le droit de venir chez moi et de me brandir des menaces. Tu sais très bien qui je suis dans ce pays. Mathias. Tu es qui et tu es quoi dans cette république? Tu veux quoi, Mathias? Tu vends quoi? Qu'est-ce que tu produis, Mathias? Petit Bayam Selam. Tu n'es qu'un petit fraudeur de voiture au port. Et tu sais très bien que si je bouge mon petit doigt, tu vas passer le restant de ta vie en prison. Mathias, tu es trop petit pour me foutre en tôle. Et si tu veux la guerre, Mathias, tu l'auras. La guerre? Avec un minable? Un misérable? Un villageois de rien du tout? Un dernier des hommes? Non mais... Mathias, j'ai ri comme un tueur, mais tu es prévenu. Ha, 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 ha.
N'importe quoi. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour pas la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens, oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'importe rien. Vanité de vanité. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pour pas la guerre des biens. Pour pas la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens, oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité.